Bruxelles est sauvée des louvanistes. Comme le veut la tradition, le mébaume a bien été planté avant 17h à 16h40, pour être précise, au croisement de la rue des Sables et de la rue du Marais. Et pour cette 713e édition, les amateurs de folklore ont pu revenir supporter les porteurs de l'arbre de joie. Alors même si les sourires étaient cachés sous les masques, ils se voyaient dans les regards des participants. Et cette bonne ambiance, notre équipe a pu s'en imprégner lors du cortège qui a défilé à travers les rues du centre-ville toute l'après-midi. Au programme, musique, bonne humeur et joie des retrouvailles. Ils sont de retour, géants, fanfares, mais surtout le public. Sur la grande place, petits et grands attendent avec impatience l'arrivée du mébaume. Excessivement contente, je découvre et c'est avec bonheur. C'est la première fois! C'est une des plus grandes traditions bruxelloises. Hein. Chaque année, il faut faire, on doit l'avoir planté avant 16h, autrement ça va à Louvain. Hein. Malgré la pluie, les Bumdruggers portent l'arbre de joie sous l'œil vigilant des gardes-villes. Et il en faut du soutien pour porter les 550 kilos du mébaume. Il sera un peu plus lourd maintenant parce qu'avec la pluie, ça va. On a eu pire. Moi, je suis, à part le président, le plus ancien porteur d'arbre du groupe. Et quand on porte l'arbre, on est par ordre d'ancienneté. Nous, on est contents, mais le public aussi est content de venir. Hein. Ah oui, c'est un plaisir partagé. L'an dernier, le public a été privé de ce folklore bruxellois. Et cette année, malgré l'autorisation, les spectateurs semblent peu nombreux. Maintenant, comme vous voyez, tout le monde doit vraiment mettre le masque. C'est primordial. Voilà, quand même, par rapport, on va dire il y a 2 ans, il y a moins de monde. Mais bon, Corona oblige, hein, malheureusement. Mais bon. Et cette année, en plus d'assister à cette 713e édition du mébaume, le public a eu le privilège de découvrir les deux géants, Alix de Namur et Baudouin IV.